Hey Fatima, tu as de la chance, hein? Tu vis à Bamako avec ton mari, tu as un bon travail et une fille magnifique. Tu n'as pas à te plaindre non plus. Tu seras bientôt maman. Je suis très heureuse, Dieu merci. Mais moi aussi j'aurais bien voulu faire des études. Quitter le village, voyager. On devait commencer l'école le même jour, toi et moi. Mais on n'a pas pu m'inscrire, car je n'avais pas d'acte de naissance. Alors finalement, mon père a préféré que je reste à la maison. Mais l'acte de naissance est un document indispensable de nos jours. Sans l'acte de naissance, tu ne peux pas t'inscrire à l'école, obtenir une pièce d'identité, ton numéro NINA, encore moins un passeport. Après la naissance de ma fille, mon mari est tout de suite parti déclarer sa naissance au centre de déclaration. À l'époque, mes parents n'avaient pas réalisé à quel point c'était important. Ne fais pas la même erreur pour tes enfants. Renseigne-toi à la mairie, tu auras toutes les informations qu'il te faut. Pensez à déclarer vos enfants, c'est garantir leur avenir et contribuer au développement du pays.